personnel. Si vous pouvez de base tuer tous les ennemis précédents, pour Mr. X, ce n'est pas le cas. Déjà parce que c'est l'un des boss finaux suivant votre campagne, et qu'il est essentiel à l'histoire. Et ensuite, parce qu'il est indestructible. Si vous souhaitez lui faire plier le genou, je vous conseille d'utiliser des munitions de Magnum ou des explosifs, même si bon, je trouve globalement que mettre un terme reste quand même un gâchis de munitions, sachant qu'en plus, elle se fera dans Exodus 2002. Mr. X est très présent dans la première partie du jeu, et je le trouve très oppressant pour plusieurs raisons. Déjà, il intervient souvent dans des moments assez tendus. Dans les cellules, notamment, plein de zombies se sont libérés, et c'est très dangereux de passer à la horde. Vous prenez un autre chemin, avec le bleu qui est là, il faut vite réagir parce que les zombies arrivent, et lui aussi, et autant vous dire que c'est assez stressant. Il est d'ailleurs déjà arrivé près d'un mur pour le retrouver, et ça m'a tellement fait peur que j'ai appuyé sur Start pour reprendre mes esprits. Et la grande particularité de Mr. X, c'est qu'il traque son lac, il s'en occupe des Sayas, et je ne sais pas ce qui est plus effrayant. Savoir qu'il m'a vu et qu'il me voit, ou encore ce n'est pas, voir qu'il me cherche, qu'il me proche, ou qu'il va sans doute bientôt me trouver. Si vous souhaitez l'esquiver, essayez d'aller dans une pièce qui est dans l'espace, ou aller dehors, afin de vous contrôler. Et si vous souhaitez vraiment gagner du temps, utilisez une base de la pour être déstabilisé, pour être équipé dans vos pertes. Mr. X est l'un des premiers les plus intelligents et c'est compliqué de l'avoir dans les packs pour des deux heures. Et je suis sûr qu'il va faire un peu les joueurs. La vie d'un TV7 a fait peur aux nouvelles choses et a connu les nouvelles questions de voir les séances qui s'étaient un peu perdues avec les épisodes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de sans les voyageurs, pendant tout le jeu, les voix et les luttes ayant perdu dans le milieu. Sauf qu'ils étaient tous trois et qu'ils étaient respectables, et ils ont été convaincus par Kevin. L'arme plus logique, c'est le son de la position. Si les vecteurs étaient vraiment très gentils, on ne les reconnaît même plus à ce que l'on des démonique. Ils possèdent une force surhumaine, une cruauté extrême et surtout une violence animale. Ils sont tous terrifiants, mais aujourd'hui, je vais juste vous présenter Marguerite Baker, qui est la cuisinière du lot. Déjà, elle tente de vous faire manger de la viande humaine, ainsi que de prendre une cuisine d'héroïne, afin de transformer ses hostilités en sa domination. Elle est notre sauveuse du jeu, la première de Mia et Jack Baker. On peut la confronter tout d'abord avec SF de Mia. Elle est ultra contente, avec des caches et des européens, et il nous faut des sauces et nos trous. Ça fait une belle flavor, lorsqu'on joue avec Ethan, elle est franchasse dans la ville des yeux, notamment Kira pour contrôler les insectes, les soulages, les lunettes, et il va falloir chercher sa lanterne pour passer aux œuvres. Et ça prend un employé de très différent et pas rassurant que tout. Lors de ce combat final, Marguerite nous fait vraiment du cercle vers le plafond et les fonds. Afin de gagner le combat, il faut que vous l'oubliez pour travailler sur ce groupe d'insectes qui est vraiment dégueulasse. Wouah! Mais il calme tout le temps! Que le débile! C'est la personne la plus monstrueuse.